plus boire du rhum. C'est pour ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les amis, nous sommes avec mon petit frère Jérémy, le plus beau des beaux gosses. Et ma maman, la plus belle des mamans. Dans cette vidéo, le concept est simple, c'est qui me connaît le plus. J'ai prévu quelques petites questions avec un petit buzzer. Dès que mon frère ou ma mère ont la bonne réponse, ils buzzent. Mais attention, parce que celui qui n'a pas la bonne réponse, est-ce que vous connaissez ces bonbons? En gros, il y a des bonbons qui sont bons et des bonbons qui sont dégueulasses. Au goût caca, au goût de croquette de chien. À chaque question, celui qui perd aura un petit bonbon surprise. Et celui qui perd dans toute la partie devra faire un cadeau d'au moins 1000 euros. Ah ouais. Je rigole, je rigole. Gardez votre argent. Vous êtes prêts? Yes. Pour la première question. Je stresse un peu, hein. Ah oui, je vous mettrai en barre d'infos du coup le TikTok de mon frère. Parce qu'il fait des TikTok, il est grave drôle. Je vous mettrai tout ça en description, ça pourrait voir tout ça. Ouais, puis ma mère, elle fait des massages. Ma mère, elle fait des massages aussi. Très bien, tout le monde fait sa pub ici. Première question. Quelle est ma couleur préférée? Le rouge. Oui. Et plus encore. Le bleu. Non, non, le rouge, et le rouge. Le Bordeaux. Oh, le Bordeaux. Mais non, mais là, on était dans la continuité de la réponse. Mais c'est moi que je me trouvais. C'est comme mémoire, genre, souvent, fallait que je remette, genre. Mais c'est dans mon mémoire. Non, mais la réponse, elle est pour Jérémy. Bah oui. Du coup, c'est maman qui t'a goûté un petit bonbon. Mais non, je dis le Bordeaux. Pas son nom de père. Ça, c'est caca. Même caca va aimer. Très bon. C'est rien que 10. Question numéro 2. Quel est mon signe astrologique? Le Gémeaux? Non! C'est maman qui gémeaux vous presse! Garçon! Oui! Alors t'es nul! T'es nul! C'est ma vie au bras, non? Ma fille va plus boire du rhum! C'est pour ça! Tout le monde t'amuse, c'est la vache du verso! Non mais c'est le Allez, ça sera du caca! Ah non, c'est Jérémy, il a dit d'abord Gémeaux! Mais j'ai rebusé! Oui, bah après il a rebusé! Je vais apprendre le même! Non, non, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit! Attends les yeux! Peur. Question numéro 3. Là, vous savez tous les taux 2, c'est non, sûr. Non, on a le droit de faire ça. C'est sûr. Quelle est ma phobie? Les serpents. Non, on a dit en même temps. Mais non, j'ai buzzé avant déjà. Moi, j'ai buzzé. Non, moi, j'ai buzzé. Moi, j'ai buzzé. Et même moi, je savais. Moi, j'ai buzzé. Non, j'ai buzzé. J'ai buzzé. Les serpents. Égalité. Moi j'ai buzzé avant de parler. Et Jérémy il a parlé avant de buzzer. Allez, je suis gentille, on va dire que vous avez tous les deux la bonne réponse. Quatrième question. Quel est mon objectif premier actuellement? Gagner les championnats du monde. Oui. Non, je suis surprise. Quel est mon plat préféré? T'es stratégique, tu peux, tu réfléchis. Moi je sais pas. Mon plat préféré! J'aime trop ça! Les bonbons? Non, c'est pas un plat! C'est le fer? Non! C'est parce qu'on prépare nous-mêmes en fait. Et on, genre, on fait quand même une saison particulière dans l'année. La raclette? Oui! Dans l'huile. Là, je les ai tous goûtés. Ah, les verres sont bons. J'ai pas confiance. J'ai peur. Faut croquer directement. Chaque fois. Ça va? Moi j'aime tout. Je l'avais dit. Quel métier je rêvais de faire petite? Oh, Madame Fritz. Madame Fritz. Comment t'es nul? Je t'ai dit qu'il fallait d'abord buzzer et après répondre. En plus, le pire c'est qu'elle a sa main comme ça et je fais ça en dessous de. Tu prends combien de kilos là? Il n'y a pas de calories dans le sac. Elle est au régime, votre mère. Maintenant, j'ai goûté les verres. Comme Julina m'a dit qu'ils étaient bons, je sais qu'ils sont pas bons. Fais attention à ce que tu te dis. Ouais, c'est un goût bizarre. Ouais, c'est ça. Je m'en fous. C'est un goût de cannabis. Ah, tu connais le goût du cannabis avant? Qui est ma meilleure amie? YouTube? Non. Maman? Non. C'est ma mère. Elle en a pas. Voilà! J'en ai plus, j'en ai eu, mais là c'est terminé. Ouais. Oh. Ah. T'as pris quoi? Caca ou t'as pris quoi? T'as pris de noir? Moi j'avais trouvé que c'était bon. Voilà, cette question-là, tous mes abonnés savent. Quel est le dernier pays que j'ai visité? Brésil. Maman, maman, maman. Ça m'a
main est là, mais tu connais pas la réponse. Si, si, j'allais dire. Elle, en vrai, elle vous avez besoin en même temps parce que du coup, elle a mis sa main. Mais moi, j'ai donné la réponse et lui, il la connaissait pas. Bah, j'allais dire Brésil aussi. Il faut être réactif. J'allais dire, mais moi, j'ai dit en premier. Jérémy. Alors, cette question, elle est un petit peu compliquée, mais vous pouvez savoir c'est quoi. Les trois critères de l'homme idéal selon moi. Il doit être métisse, il doit bien travailler à l'école, et intelligent. Il doit être intelligent, et il doit être riche. Non. Non, non, à moi il reste un troisième. Réfléchis, t'as une chance. Métisse, intelligent. Et gentil. Non, t'as perdu. Amoureux. Métisse, intelligent, ambitieux. Non. Métisse, intelligent, drôle. Non. Métisse, intelligent, travailleur. Non. Métisse, intelligent, sportif. Oui. Quelle est ma plus grosse bêtise et je me suis fait prendre. On est sorti en Guadeloupe. Non. C'est pas ça. Quand Morgan a dormi à la maison. Oui. Ah, j'avoue, c'était du bon bêtise. Même elle en savait. Plus grosse bêtise de ma life, terrible, ça m'a dit 10 mois de punition. Purée, c'est fou. T'aimes, tu sais, hein, je bien. T'aimes, tu sais, hein. C'est vrai. Qui était mon personnage de dessin animé préféré quand j'étais petite? Comment ça s'appelle? Oh, je sais. Marcelino? Non. Je sais. Je prenais les livres à la bibliothèque. Oui. Non, non. Non. Toi, c'était la maman. Non, non, le dessin animé, je sais plus comment. Ah oui, c'est vrai. Non, mais non, c'était pas ça. Oui, c'était pas ça vraiment. Le royaume? Non. Un indice. Elle avait des couettes. Non. C'est fantastique. Oui. Non. Non, ça c'est mon idole. Tu m'as copié. C'est toi? Ah ouais? Vous y adorez, maman. On va avoir un point commun. Regarde. On a plusieurs, comme vous. Ah oui. Mais celui-là c'est très important parce que Fifi Brandassi c'est vraiment trop mignonne. Combien d'enfants je veux? 1, 2, 3. Il a pu y réfléchir. Il est trop malin. C'est 2 bien sûr. Il faut être rapide. Moi je me contre un petit. Ah, il est pas bon celui-là. Il y a des blancs qui sont bons et il y en a qui sont pas bons. Et ouais. Ah, il est dégueulasse. Ah, bien quand même. Enfin, rien n'est yes. Il doit vraiment être pas bon. Ah, mais ça, c'est pas bon. Comment j'aimerais appeler ma fille, mais Morgan, on n'est pas d'accord. Julina. Oui. Ça, je le savais pas, quoi. C'est ah ouais vraiment... C'est choquant. Vraiment. J'aime trop mon prénom, c'est trop beau, Julina. Chaque fois, je lui dis, en disant, c'est trop beau, mais oui, c'est trop beau. Ma fille mériterait de s'appeler comme moi. Mais Morgan, on n'est pas d'accord. Je préfère le sucré ou le salé? Le sucré. Maman! Mais il a pas sa main en dessous de la mienne! C'est pas rapide! Mais en plus, elle a mis sa main là en fait! Oh non! Moi, c'est ça! Si tu veux pas manger, t'as qu'à répondre correctement! Qui est ma plus belle rencontre? Morgan? Ouais! Oh non! T'as dit quoi? Morgan? Ah, c'est bizarre. Oh non, j'en ai encore un dans la bouche. Hein. Si j'ai gagné beaucoup d'argent, dans quoi je l'investirais? Dans le sport? Non. Partout. Association? Non. Tu vas chercher une maison pour ta mère? Non. Alain a eu la réponse. T'as dit quoi? De l'argent? Non. Un appartement? Oui! De l'immobilier? Ta mère. Mais si je serais millionnaire, oui, je t'achèterais maison. D'accord. Ouais, soit la petite millionnaire. Je veux une maison dans le sud. Moi aussi, je veux une maison dans le sud. Ah ouais, c'est chiant. Il n'y a pas d'autorité. Hein. Pas de soutien, ça. La question, c'est combien j'ai de tatouages. Je suis sûre qu'il y en a plein que je connais pas. Vu que je suis contre tous les tatouages. T'as 5. Non. 4. Non. 4. Non. 3. Oui. Non seulement elle est pas contente que j'ai 6 tatouages, en plus elle a un moment dégueulasse. Du vomi. Du vomi sucré. Oh, au moins il est sucré. Combien j'ai d'abonnés sur YouTube? 650. Non, et c'est plus. 750. C'est moins. 702. Plus. 720. Oh, mon retard, combien? Bah, ça déjà, c'est à mon tour de toute façon. T'as dit combien, t'as Jérémy? 735. Plus. 737. Chacun son tour. 740. Plus. 745. Plus.
Mais ouais, j'ai des abonnés. 752 plus 757. Moi 754 plus 756. Oui. Là, c'était le juste prix là. Objectif fin d'année, je veux 1000 abonnés sur YouTube. C'est la dernière question. Quelles sont les trois choses que j'aimerais que les personnes qui regarderont cette vidéo fassent? S'abonner, aimer, commenter. C'est ça! Vous savez ce que vous avez à faire maintenant? Un petit pouce. Elle a trop gagné. Elle a trop gagné. Bon, allez, le dernier. Ouais, vous pouvez mettre un petit pouce parce que je vais encore manger un bonbon au vomi. Merci. Arès, assis-y, Arès. Jérémy, tu le veux. Elle a Arès, Jérémy. Jérémy, tu le veux. Jérémy, tu le veux. Jérémy, tu le veux. Ah, donc je suis trop. Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez compris. Abonnez-vous, likez, commentez. Ça m'aide beaucoup, du coup, pour référencement des vidéos, etc. Et pour atteindre l'objectif des 1000 abonnés à la fin de l'année. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo avec la famille. Puis voilà, vous avez un petit mot pour conclure la vidéo? S'abonner, aimer, commenter. S'abonner, aimer, commenter. Voilà, gros bisous, prenez soin de vous. Thank you.